Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ouverture d'une box Glitter Poppy. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors, si vous avez suivi les vidéos précédentes, je ne pouvais pas laisser un trou dans mon armoire. Il fallait forcément que je recommande une box. Et les avis étaient assez mitigés au niveau du choix de la box. Ça a été très serré entre box garçon et box femme. Je vous laisse le suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle du trou dans mon armoire, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais tout vous expliquer. Allez, le plus sympa, on va ouvrir. C'est parti pour le meurtre du carton. Petite carte avec les designs proposés par la marque. Donc j'ai vraiment trop de chance parce que Glitter Poppy m'a offert cette box pour que je puisse tester et vous donner mon avis. Donc je me sens hyper chanceuse, je les remercie. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore cette entreprise. Les jerseys sont super qualitatifs, du coup je commande la box les yeux fermés. Je sais que dans tous les cas, le jersey sera de qualité. Bon, vous pouvez constater que l'emballage est nickel. Du coup, la box arrive intacte. Et ça, je trouve que c'est important parce que les box sont jolies. J'ai envie de la garder et ça m'aura embêté qu'elle soit un peu cognée. Donc, il s'agit de la box de février 2021. Attention, les box partent très très vite. Donc là, je vous mets une petite photo du site internet. Si vous voulez voir où est-ce que vous pouvez les commander, c'est ici. Donc je ne suis absolument pas rémunérée pour vous dire ça, c'est juste que je sais que souvent il y a des personnes qui sont frustrées, qui n'en ont pas à temps, donc voilà. Ne tardez pas trop si vous en voulez. C'est une box garçon. Oh là 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 là, j'adore. Ah, je l'avais jamais vu ce design. C'est ben des petits ratons laveurs. Oh, je surkiffe, franchement, j'avais jamais vu cela, trop bien. Donc, bah, comme d'habitude, un petit bloc, hein, bien sympa. Mes enfants commencent à me les piquer, donc celui-là, je pense que je vais le cacher. Hein. Oh là là, c'est chouette. Ah, franchement, ils arrivent toujours à trouver des bonnes idées. Trop bien. Oh, ils sont trop mignons, les petits ratons, là. J'espère que ça va plaire à mon loulou, mais j'ai... En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc là, on a du jersey. Souvent, on me demande de montrer l'envers des tissus. Donc voilà ce que ça donne. Trop trop joli. Donc là, on a un mètre de ces jolis petits ratons. Ensuite, on a le tissu coordonné, mais sans les petits ratons cette fois. Donc ça, ça peut vraiment être sympa pour faire des associations. J'aime vraiment trop quand ils font ça. Et donc, c'est du jersey aussi. L'envers est identique. Donc bah tout aussi chouette, hein. Franchement là ça me parle bien ce tissu là, j'ai plein d'idées, ça va être dur de choisir. Et ici on a un petit peu moins, et donc on a 80 cm de ces jolies étoiles. Ensuite on a encore un jersey coordonné, donc ça, ça va venir rappeler les petits ratons. Vous voyez, ça se marie vraiment super bien avec. Donc ça, c'est de l'uni un petit peu chiné, je dirais. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc je pense qu'on doit avoir comme les étoiles. Et donc on a 80 cm aussi. Ici on a encore des petits cordons. Donc à vue d'œil, je dirais qu'on a un mètre aussi. Donc j'aime bien leurs cordons. Ils en ont pas mal sur la boutique. C'est des cordons carrés en fait. C'est assez particulier. Je trouve ça super joli. Et là, le torsadé que j'adore. Je le mets sur toutes mes cousettes. Trop bien. Ensuite, on a encore du bord-côte, toujours associé. Et ici, on a 50 cm. La petite bobine de fil coordonnée, donc toujours du Gutermann. Franchement, la marque, c'est impeccable. Et le petit cadeau surprise, un petit coupe-fil. Bon, je crois qu'on a une petite jalouse derrière qui aimerait bien une petite cousette, mais ça va pas être possible. Bon, j'ai mon petit loulou qui dort pas à côté et qui a entendu qu'il y avait du tissu pour lui. Dis mon loulou, tu les aimes bien les petits ratons? Oui. Tu les trouves comment? Bien.
T'as envie que maman elle couse quelque chose pour toi? Oui. Bon bah c'est cool alors, je m'y attaque tout de suite. La magie du tube va faire que tous mes tissus vont être lavés et dans quelques secondes, je vous laisse découvrir en images ce que j'ai cousu avec. Avec la box, j'ai pu réaliser 5 vêtements. J'ai optimisé un maximum les tissus et réalisé 3 t-shirts identiques. J'ai juste joué sur les empiècements et la façon de les assembler pour avoir un rendu différent et une garde-robe assez variée. Je suis hyper contente du rendu des vêtements, ils sont super confortables, je les adore, ce sont tous des patrons issus de super bisons. Donc si vous ne connaissez pas mon petit atelier, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne. J'ai fait un petit room tour. Du coup, on poursuit avec ce meuble du géant suédois. Et l'avantage de ces box, c'est qu'elles rentrent nickel dedans et elles font des compartiments. Et ça, franchement, j'adore. J'ai plein de bricoles à ranger dedans. Je trouve toujours quelque chose à mettre. Voilà, c'est juste parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ces revues sur les box Glitter Poupy. Je vous invite à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt.